Et oui. Des fois, moi, je bois toujours avec des pailles. T'en donnerais une. Mets-toi à la place. Ah oui, c'est vrai. Une paille biodégradable. Alors là, on va être à la fourchette pour déguster ta tomate farcie. J'espère bien, pas la paille, parce que c'est vraiment compliqué. Un vrai problème. Donc, tomate farcie. Un peu à l'oriental. Ah, parfaitement, à l'oriental, avec de l'agneau. De la... C'est un petit peu froid, peut-être, là, le temps que vous... Alors, bien, vraiment c'est même... légèrement froid. Légèrement, non, mais juste un tout petit peu. Moi, j'appelle ça congelé. C'est ça. Ah ouais, mais c'est pas évident hein, de tout gérer, les cuissons. Non, écoute, même froid, c'est trop bon. Avec la menthe et la complète, bon. Mais même froid, effectivement, c'est une tomate farcie qu'on peut emporter en pique-nique. Absolument. Et pas bête, pas idiote, pas fou la yep. Alors, donc, c'est une petite astuce avec, à nous proposer. S'il vous reste une tomate farcie, ça une arrive. Tomate farcie, ça peut arriver, une petite esselée. Moi, je vous propose de préparer une sauce bolognaise. Et bien sûr. Et bien sûr, il vous suffit d'une tomate farcie, je pensais avant. De la pulpe de tomate, donc en conserve. Là, on réduit en purée presque. La tomate farcie, en fait, il faut la hacher très grossièrement. Hein. Voilà, déjà, vas-y, l'éclate. C'est toi, je l'éclate, la tomate. Oh, Thomas, tu me fais dire des choses. Je la mélange avec la pulpe de tomate. Et tu fais revenir le truc. Hacher tout cela. Enfin, tu vas faire on hache encore un petit peu. Ouais, mais d'abord, on mélange encore un petit peu, tu vois, d'accord. Pour hacher complètement la viande. On a l'idée. Oh là là, mais vous deux, alors, ça, c'est pas possible. Hein. On laisse chauffer, laisse mijoter à peu près 8 minutes. Non, ça va sur le t-shirt blanc. J'ai cru, mais ça va. Non, pas de taches rouges. J'ai senti un joli t-shirt blanc. Donc, la sauce tomate bolognaise, donc 8 minutes à mijoter. On ajoute un petit peu de basilic. Très bien. Et puis, on obtient Le tour une délicieuse. Magnifique. Vous n'allez pas goûter. Je vous la laisse. Ça manque un peu de pâte, effectivement. Dans ce cas, c'est une petite sauce bolognaise ultra rapide que vous pouvez retrouver en image sur l'onglet vidéo de la page Facebook. Ce n'est pas ici que je regarde, mais c'est là. C'est et vous pouvez aussi retrouver tout le détail de la recette sur la page Facebook, toujours à l'onglet photo. Merci beaucoup. Merci Farida. Allez, à demain. Bien sûr.